Desjardins est fier de collaborer avec le Grand Gala Québec en scène en tant que partenaire fondateur. Pour Desjardins, il est important de participer au succès des initiatives culturelles comme celle de Québec en scène grâce à leur ristourne collective, le Fonds d'aide au développement du milieu. Desjardins est particulièrement fier d'être associé à la mission de Québec en scène et ce, depuis leur tout début. Cette année, c'est le mouvement Propage ton talent qui rayonne et qui prône la valorisation de tous les artistes québécois, sans exception. Desjardins salue le talent de tous les participants et l'audace de l'organisation qui poursuit sa mission avec le nouveau projet Book-moi, en accompagnant maintenant les artistes jusqu'à la signature de contrats rémunérés. Dans ces temps particuliers, il est important de soutenir la cause artistique et d'offrir une plateforme de qualité à la relève artistique du Québec. Desjardins félicite les artistes, salue les spectateurs sur place et en ligne et surtout vous souhaite bon spectacle. Mesdames et messieurs, votre animatrice pour la soirée, Taïna Lavoie. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Si vous saviez le bonheur que je ressens de ne pas entendre des applaudissements préenregistrés, des vrais applaudissements, bonne foi, ouais! C'est un bonheur de se retrouver sur scène. Je ressentais tellement une belle fébrilité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous heureux de vivre enfin une soirée? Peut-être que pour certains, c'est comme pour moi, la première fois qu'on retourne en salle, une salle de spectacle aussi belle que l'Impériale Belle. Est-ce que ça vous fait du bien? Oui, hein? On sort de la maison, on en profite. Merci d'être là. Vous êtes une centaine ici même à venir encourager vos enfants, votre famille ou encore vos amis. Merci beaucoup d'être là. Je tiens également à saluer la centaine et centaine et centaine de personnes qui nous regardent en direct de la maison. Bonsoir, bonsoir à vous. Dans votre salon, bouteille de vin, le bonheur, la joie. À la maison, d'être peut-être en pantoufles, en pyjama, c'est la beauté de la chose, du virtuel. Alors, cet événement qui se veut hybride, je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce soir. Je me présente brièvement, Taïna Lavoie, animatrice pour Éclosion Animation Professionnelle. On a vécu énormément d'événements de façon virtuelle, alors d'être avec vous, c'est vraiment un grand bonheur pour moi. Québec en scène a lancé, peut-être que vous êtes au courant, un peu plus tôt, durant le printemps, cette grande période de confinement où c'était plus difficile, le mouvement hashtag propage ton talent. Tout ça pour donner de la joie, du bonheur dans le cœur des artistes, briser l'isolement aussi, parce que c'était plus ou moins évident pour toute la population, on s'entend, mais aussi pour nos artistes. Et on a voulu faire en sorte qu'ils se fassent connaître, que peut-être, avec un peu d'espoir, on puisse se rassembler à nouveau. Et c'est ce qu'on va vivre ce soir. Il y a plus de 575 artistes qui ont répondu à l'appel, qui nous ont envoyé une ou plusieurs vidéos de leur passion. Rassemblés ici même ce soir ou encore dans le confort de votre salon, vous allez vivre une belle soirée. On a rassemblé 11 nommés qui ont été sélectionnés soit par vote du public ou encore par membre du jury. On parle d'un jury spécialisé en chant, en danse ou encore par des numéros de variété. Alors, sans plus tarder, vous voyez quand même, hein, un bel accessoire à mes côtés. La batterie. On va commencer avec un numéro en force. Il s'agit d'un jeune homme qui est le grand gagnant du prix du public avec plus de 2500 votes. Oui, quand même, ça vaut une belle main d'applaudissements tout de suite en partant. C'est un jeune homme qui a plus d'un tour dans son sac. C'est un jeune musicien. Il a seulement 15 ans. Mais il a touché le Québec par son histoire, une histoire touchante, vibrante. Il est le survivant de deux cancers et il a réussi à trouver la force de vivre, de survivre grâce à la musique, grâce à son instrument de prédilection, la batterie que vous voyez à mes côtés. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, question qu'on démarre en force cette soirée-là, on donne toute notre énergie à Mathis Moreau. Thank you.
Baptiste Moreau. Bravo! T'as l'air essoufflé pour Mathis. Ça va, merci beaucoup. C'était super, Mathis. Wow! Ça déplace de l'air. Est-ce que ça commence en force? Mathis Moreau, seulement 15 ans. J'étais dans les coulisses, puis je me disais, ouais, bien, en tant que maman de deux jeunes garçons, là, 6 ans et 4 ans, si on me disait « Maman, je pense que je veux jouer de la batterie dans la vie. » Et OK, attends un petit peu. Quelle sorte de garage isolé? Moi, ma maison, c'est sûr qu'elle casse en deux. Si jamais on me dit qu'on veut pratiquer la batterie à la maison, bravo, maman et papa. Hein? Ça demande une certaine patience, mais quand on voit qu'est-ce que ça donne, le talent de Mathis, c'est vraiment quelque chose. Seulement 15 ans, par bout, on avait l'impression de voir les mouvements de poignets, de bras de Phil Collins. Il y a vraiment de l'avenir là-dedans. Bravo, Mathis Moreau. Peut-être que vous le savez, Québec en scène est le seul mouvement à Québec, au Québec même, on dirait, pour accepter la candidature de tous les artistes sur scène. Peu importe leur âge, peu importe leur nationalité, la nature ou l'art, la passion qu'ils ont choisie. Québec en scène désire davantage pousser la passion des gens, mais aussi d'offrir un certain volet diversité. L'organisation a décidé de miser, entre autres, sur les nationalités, les différentes cultures, croyances, aussi, vous allez peut-être voir certaines formes d'handicap ou des gens qui proviennent du spectre LGBTQ+. En fait, ce soir, on vous l'annonce, il y a plus ou moins 25% des gens que vous allez voir sur scène qui proviennent de ces différences qu'on pourrait appeler. Alors, trois catégories vont être mises en vedette ce soir. Le chant, la danse, les numéros de variété, un jury, vote du public, on vous le rappelle. Parce qu'anciennement, Québec en scène était un concours. Mais là, on a décidé de changer la formule pour 2020, entre autres, d'offrir plus de possibilités à nos participants, entre autres, de pouvoir se dépasser davantage, puis aussi de vivre une expérience un peu plus enrichissante. Et quand on parle d'enrichissement, ce n'est pas seulement au niveau de soi-même, de se dépasser sur scène. C'est également parce que Québec en scène va remettre ce soir pas moins de 10 000 $ en prix grâce à tous nos partenaires. Oui, ça vaut une belle main d'applaudissements. Alors, vous allez voir tous ces gens monter, défiler sur scène ce soir. Et à la mi-temps, on vous l'annonce tout de suite. On a une belle surprise pour vous. On va vous annoncer quelque chose en grande primeur. Alors, soyez bien attentifs, du moins jusqu'à la mi-temps. Mais c'est sûr que vous allez vouloir demeurer avec nous jusqu'à la fin parce que vous avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être lu sur les réseaux sociaux. On a quand même les porte-paroles du mouvement Québec en scène qui nous font le plaisir de monter sur scène avec nous ce soir. Et je parle bien sûr des deux frères. Hein? Sur la scène québécoise, les deux frères, on a tous le goût de les voir en spectacle. Alors, ils vont être avec nous ce soir. On poursuit avec notre deuxième numéro. Si la batterie a déplacé de l'air, peut-être que ça va être un petit peu plus calme, un petit peu plus serein, relaxant, qui sait? On a une danseuse qui s'apprête à monter sur scène grâce à sa technique, entre autres. Elle a su se démarquer, se tailler une place pour monter sur scène ce soir. Elle s'est inscrite, entre autres, pour obtenir plus d'expérience de scène, plus d'expérience de son art. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous demande d'accueillir Mademoiselle Rosalie Lessard. It's okay, I know someday I'm gonna be with you.
it's okay. I know someday I'm gonna be with you. It's okay. I know someday I'm gonna be with you. Rosalie Lessard, bravo! Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. La prochaine est encore une fois une demoiselle. Elle est dessinatrice, poète, compositrice, mais par-dessus tout, elle est musicienne. Et elle ne vit que pour la musique. C'est ancré en elle. Au quotidien, elle a besoin de s'exprimer par la musique. C'est son dévouement, son intensité, entre autres, sur scène, qui ont séduit notre jury. Mesdames et messieurs, on n'accueille pas Marie-Soleil, on accueille Mary Sun. Thank you.
règnes, you bring back the man. I said I've been working from 7, 7, 11 every night, and it's kinda make my life a dry, yeah, dry, dry. Oh, hey, baby, since I've been loving you, I'm about to lose my worried mind. Oh, 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 oh. Hey, baby, baby, since I've been loving you, I'm about to lose. Harrison, bravo! Merci beaucoup! Wow! On passe par toutes les tonalités. Hein, le petit aigu à la fin, là, c'est assez surprenant. Samedi soir à la maison, bouteille de vin, c'est assez torride, ça. Hein? On ne veut pas donner d'idée à personne, mais c'était excellent. J'ai adoré. Harrison. On poursuit en danse. Malgré son jeune âge, elle se démarque à plusieurs émissions et concours. Entre autres, elle a participé à Révolution en France avec incroyable talent. Elle cumule déjà beaucoup, beaucoup d'expérience. Avec son talent qui est assez indéniable, vous allez pouvoir le remarquer, elle a pu avoir le rôle très prisé dans Casse-Noisette de Clara. C'est une jeune danseuse qui continue à se perfectionner avec l'École supérieure du ballet du Québec et elle veut poursuivre à tout jamais sa passion de la danse. Mais ce qui est vraiment plaisant de savoir ce soir, c'est que c'est pour une première fois sur scène à Québec. Mesdames et messieurs, accueillez-la chaleureusement. C'est sa première fois à Québec. Cléa Giguère.
Cléa Giguère, bravo! Elle est jeune. Et avez-vous vu toute la, comment je vous dirais, c'est la lignée d'émotions qu'elle nous a fait vivre. Il y a quelque chose d'intriguant dans le ballet classique, de pouvoir être à un point tel convaincu, de faire comprendre une histoire par les pas, par le visage, les émotions. J'admire le ballet classique. Bravo à Cléa. Notre prochaine invitée, eh bien, elle baigne dans les arts de la scène depuis très, très longtemps. Et là, je vais vous lire comment elle se décrit, parce que c'est quand même amusant. Je suis quelqu'un de réfléchi, d'absurde, d'anecdotique, d'excentrique, mais surtout de musical. Ce sont ses imitations chantées qui ont charmé le jury. Son style très assumé aussi sur scène. Vous allez probablement passer un très bon moment avec Mademoiselle Rebecca Bucci. Hey, salut! Ça va? J'ai pas compris? Oui! Yes! Vous êtes en feu, c'est malade d'être ici en live. Je m'appelle Rebecca Bucci, comme madame a dit. Je suis humoriste, imitatrice et hypochondriaque. Pas officiellement diagnostiquée, sauf que si je me fie juste à mes auto-diagnostics aujourd'hui, j'ai cru passer par une crise cardiaque, la COVID et un cancer de la prostate. Mais tu sais, pensez pas là, que je suis hypochondriaque, t'sais, que je m'imagine que je suis hypochondriaque à cause que je suis hypochondriaque, là, tu sais. Pensez pas que je m'imagine que je suis hypochondriaque à cause que je suis hypochondriaque, vous comprenez ça? Sinon, ben, je suis connue à l'urgence. Ben oui, ma sœur va à l'urgence récemment parce qu'elle s'était cassée le pied, la chanceuse. Elle a des vrais problèmes physiques. Là, l'infirmière était comme, « Madame Bucci, êtes-vous la sœur de Rebecca Bucci? » Ma sœur était comme, « Ben oui, je sais, c'est une humoriste, vous la connaissez. » L'infirmière était comme, « Je ne sais pas si elle est humoriste, mais nous ici, on la connaît. Pour ses petits trucs pour passer plus vite à l'urgence. » Bon, c'est vrai. Mais je vous ai regardé, là, tu sais, tout le monde veut passer vite à l'urgence malgré notre belle empathie, tu sais. Puis pour passer plus vite, il y en a qui, genre, pour attirer l'attention, vont crier. Il y en a qui vont brailler. Il y en a qui vont arriver avec un bras arraché, tu sais, du sang partout pour attirer l'attention. Moi, je rentre à l'urgence. Je suis malade. Avec mon désespoir, je suis... Rebecca Bucci, salut. Yes. Merci. Pour vrai, ça marche. Chaque fois, je vois un médecin. Un psychiatre, mais un médecin quand même. Sinon, il faut absolument que je vous parle de Guylaine. Guylaine, là, c'est la dernière infirmière d'InfoSanté à qui j'ai parlé. La fois où je pensais que j'avais attrapé un cancer du cerveau en me faisant raser le côté de la tête. On avait ri, Guylaine. T'avais ri. T'étais comme, ben voyons, Madame Bucci, c'est quoi cette idée-là, se faire raser le côté de la tête, ça fait tellement 2010. Fait que depuis ce temps-là, écoute, j'appelle plus InfoSanté, je suis comme passée à autre chose, tu sais, j'ai évolué. En fait, ma belle-sœur est infirmière. C'est elle que j'appelle maintenant quand j'ai des problèmes physiques. Mais je vous rassure, elle adore ça parce que ça l'occupe, tu sais. Parce qu'on s'entend que les infirmières ont beaucoup de temps libre en deux chiffres de 16 heures. C'est surtout qu'elle ne m'enregistre pas, elle. Parce que, tu sais, quand tu appelles à InfoSanté, il y a tout le temps un message comme automatique qui est comme « À des fins de qualité, votre appel sera enregistré. » J'avais envie d'apporter une petite rectification. Moi, je suis pas mal plus sûre que c'est comme pour essayer de te décourager d'un coup que tu es un hypochondriaque fatigant. Sache que ton appel sera enregistré. Comme, je ne suis pas paranoïaque, mais j'ai vraiment l'impression qu'il garde un compte de mes appels. Là, je ne suis pas paranoïaque, là, mais il me semble que j'appelle plus j'appelle souvent, plus c'est long avant qu'ils me répondent. Puis c'est comme, je ne sais pas si vous pensez ça aussi, là, je ne suis pas parano, là, mais j'ai vraiment l'impression comme que Guylaine et sa gang ils écoutent mes enregistrements dans leur party de Noël. Je vous jure, je suis sûre qu'ils sont comme, oh, oh Nicole. Remettons l'appel 219, tu sais, la petite fille qui se demandait pourquoi elle saignait, puis on lui a expliqué que c'était ses menstruations. Sinon, ben, je suis hypochondriaque, puis j'ai un blanc, tout le monde, puis j'ai quelque chose dans ma petite botte qui me permet de me retrouver. Ah, j'ai un blanc, je suis désolée. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, de l'applaudissement! Ça fait longtemps que je peux monter sur scène avec... Oh oui, oh oui, oh oui.
Merci, merci. Chaque fois que j'appelle à Info Santé, ils me demandent tout le temps des questions genre sur ma respiration. Okay? Puis à chaque fois, moi, je suis comme, je sais pas pourquoi, je suis tout le temps comme, je vais vérifier. Mais c'est cave, là, parce qu'en théorie, j'ai pas besoin de vérifier. Tu sais, je devrais savoir que j'ai de la misère à respirer. Sauf que moi, je suis tout le temps comme, attendez, je vais vérifier. Ben oui, toi, je suis en détresse respiratoire. Mais t'es même pas rendu compte. L'infirmière est comme, d'accord, Madame Bucci, c'est juste que vous appeliez pour votre conjoint. Je suis un peu perdue, là. Sinon, tu sais, je me suis demandé, y en a-tu des hypochondriacs dans la salle? Par applaudissement? OK, je devrais juste comme aller rejoindre ma gang à l'urgence, c'est quoi, là? Je me suis fait une théorie, tu sais, pour essayer de comprendre, tu sais, pourquoi je suis hypochondriaque. C'est plate à dire, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une maladie d'occidental privilégiée. Pour vrai, c'est comme si mon cerveau reptilien, il cherche des projets carrément, là, tu sais. Mettons, mercredi soir, relax chez nous, je suis comme... confortable, tu sais. Le frigidaire est plein. L'eau est encore potable. Toujours pas de tigre en vue. C'est quoi cette petite tache ici? De l'eczéma, du psoriasis, l'Alzheimer? Ah non, de la sauce tomate. Sinon, j'ai un TOI. Là, je sais, vous êtes comme pas un TOI, la pauvre. Oui, un TOI. Pour ceux qui savent c'est quoi, là, tu sais, allô? Le TOI, c'est un trouble obsessionnel imitatif. En fait, c'est comme le trouble obsessionnel compulsif, sauf que moi, au lieu de checker constamment si le four est éteint, je peux pas m'empêcher d'imiter le four. Je suis comme « J'ai un vieux four des années 80. Le TOI, c'est un vrai problème de santé mentale dans le DSM-5 que j'ai inventé pour justifier le fait que je chante tout le temps puis j'imite tout le temps. Puis le TOI, ben, je pense que ça vient de mes parents, OK? Parce que moi, mes parents, ben, comme tout bon parent, ils me faisaient toujours tout imiter tout le temps, toujours chanter des affaires. Mais moi, c'était comme excessif, comme « Elle est bonne », tu sais. Ça ressemblait à ça, tu sais, comme « Rebecca, qu'est-ce qu'il fait, le chat? » Bonne, les autres enfants, ils font miaou miaou, elle, elle fait une chatte en chaleur. On va y en demander un autre. Rebecca, qu'est-ce qu'il fait le chien? Pas facile. Aff, 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 aff. Elle est vraiment bonne, elle n'a même pas un an. Oh, on va y en demander un plus comme divertissant, tu sais. Qu'est-ce qu'a fait la famille Simpson? Maman, Bart, arrête pas de voler ma bicyclette. Ah, c'est même pas vrai, Lisa, check mes fesses. Là, les enfants, si vous continuez, je vais appeler votre père, Homer. Homer! Homer! Bon, il doit être encore parti boire de la bière chez Mo. Do! Ah, ah. Merci. Le TOI, c'est cool, mais des fois, comme ça me pogne dans des moments random. Okay, à un moment donné, je suis dans une entrevue, ça se passait super bien. La fille était comme, tu sais, toi, Rebecca, y a-tu quelque chose dans la vie que t'aimerais comme améliorer? T'as-tu comme un défaut? Puis je suis comme, moi, pour vrai, je suis pas tellement ponctuelle. Tu sais, ça part mal dans la vie quand t'es prévu le 14 puis tu nais le 18 octobre. Puis elle est comme, OK, ouais, pas ponctuelle, c'est bon, mais tu sais, toi, t'essaies-tu d'améliorer ça? Tu travailles-tu là-dessus, ta ponctualité? Tu sais, puis je suis comme, pour détendre l'atmosphère, je suis comme, mais madame. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas. On ne change pas, madame. Puis était comme ça va. Puis ça, c'est ce que j'ai répondu. Merci. Puis là, pleine.
pleine d'entrain, j'ai répondu « ça va bien », puis la madame était comme « là, calme-toi ». Puis je suis comme « ah oui, je peux te le faire plus calme, si tu veux, tu sais, je peux te le faire à la façon de cœur de pirate ». Ça va bien, ah, ah, ah. Ça va si bien, comme la vie me donne faim. Oh, oh, oh. Ça va si bien, comme la vie me donne faim. Oh, 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 oh. J'ai pas eu la job, mais au moins je suis ici ce soir, puis ça c'est cool! Hey, merci de votre grande générosité. Merci. Rebecca Bucci! Ah, on aime ça, cœur de pirate, ça m'a accroché. Ah, ça va bien, oh, on l'a entendu beaucoup ça au cours des derniers mois, hein? Quand même avec la pandémie, merci messieurs. Le prochain numéro, c'est un numéro comique, créatif, dynamique, mais très prometteur aussi. Depuis le début de la soirée, on vous propose des solos, des gens qui montent sur scène seuls. Mais que diriez-vous de voir un duo, des frères? À l'instant, veuillez y accueillir Xavier et Joachim, les frères Julien. Julien, Joachim et Xavier. Bravo, les gars! C'est beau de voir ça. Une passion commune, sous le même toit, dans la même maison, ça doit donner droit à des belles soirées. Quand même, là, c'est d'avoir un passe-temps. Là, j'aurais aimé ça, avoir ça avec ma sœur, quoique j'avais une belle relation, mais sûrement que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire si vous avez une passion commune avec un frère ou une sœur. C'était très beau de voir ça. Le prochain numéro, eh bien, qui est né dans les années 80 ici? Je m'inclus. Qui a aimé les années 80? Ouais! Qui se rappelle d'avoir dansé dans les bars, les discothèques dans les années 80? Il y avait de la bonne musique, hein, quand même. Et là, le prochain numéro, la prochaine artiste, elle s'est grandement inspirée tout au long de sa vie des années 80. Il y a des artistes, entre autres, comme David Bowie, Madonna, qui l'ont marqué. Des artistes un peu plus récents, comme Lady Gaga. C'est une auteure, c'est une compositrice, c'est une interprète. Elle est née tout près d'ici, Lévis, même ville que moi, où je suis originaire. Et puis, elle a été grandement influencée à un point tel qu'en 2019, elle a lancé son premier single qui s'intitulait Tarantino. C'est une artiste très mature et on espère vous la faire découvrir ce soir, Madame Kat Dion. Bonsoir. Donc ce soir, je vais vous interpréter une de mes compositions,
Pendant la quarantaine, on a eu beaucoup de temps, beaucoup d'inspiration. Donc moi, j'ai sorti un EP. Voilà. Elle s'appelle Insomnia. Bravo, Kat Dion! Ton guitariste, c'était? Cassido. Il fait aussi la musique, donc si vous voulez aller écouter sur Bravo. Instagram. Bravo à vous deux, merci! Wow! C'était beau, c'était touchant. Vous savez, quand on est artiste, on souhaite se faire connaître, se faire reconnaître, mais aussi on souhaite gagner notre vie avec notre passion. Et Québec en scène, l'une de ses missions, c'est de permettre certains revenus supplémentaires. Grâce aux partenaires de Québec en scène, en 2019, on a permis à 175 artistes d'être placés à l'emploi en parallèle, en lien avec le domaine artistique. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite faire avec Québec en scène, en encourager la relève artistique, mais aussi qu'on puisse vivre au quotidien, payer ses factures à la fin du mois. Le prochain, oui. C'est important, c'est vraiment important. Est-ce que vous passez une belle soirée?
Ouais. J'espère que ça se passe bien aussi à la maison. On est toujours bien connectés avec vous. J'espère que vous montez le son, que vous en profitez. Il y a déjà plusieurs numéros qui sont passés. Vous savez, seulement 11 nommés qui montaient sur scène ce soir. Ça va vite. Il m'en reste 4 numéros à vous présenter. Le prochain, c'est son rêve de vivre de la danse. Quand on parlait il y a quelques minutes de gagner sa vie avec sa passion, c'est le cas de ce jeune homme. Il veut partager sa passion avec le plus de gens possible. Il a 10 ans d'expérience dans le domaine de la danse. Il a enchaîné plusieurs spectacles, plusieurs compétitions un peu partout. Il se démarque par un style unique. Et ce soir, connaissez-vous le popping? Hein? On va peut-être vous faire découvrir la chose. Dans un numéro de popping, mesdames et messieurs, on accueille Guillaume Talbot. Merci, Guillaume! Ah ben là, il y a des gens qui ont dû dire « Ah ben oui, c'est ça le popping! » Puis il y en a d'autres qui ont dû dire « Ah, oh, mais je n'avais jamais vu ça! » Alors, on a découvert ça peut-être ou redécouvert avec Guillaume Talbot. Tantôt, on a eu droit à un numéro des frères Julien. C'était plaisant, un duo, sous le même toit, la même famille. Mais les duos, en amitié, c'est plaisant aussi. Et le prochain numéro, c'est le cas. C'est des amis de longue date. Ils avaient chacun leur expérience de leur côté. Un gars, une fille. Mais ils ont décidé de dépasser les limites, de relever un beau défi ce soir en montant sur scène ensemble et en interprétant Gravity de Sarah Bareilles. Il s'agit de Alexandra Chaillé et de Dominique Barker. Something always brings me back to you. It never takes
too long. No matter what I said or do, I still feel you here to the moment I'm gone. You hold me without touch. You keep me without chains. I never wanted anything so much. And you drown in your love. I feel your your gravity. Here I am and I stand so tall, just the way I am supposed to be. If you're on to me, all over me. You love me 'cause I'm fragile. I thought that I was strong, but you touched me for a little while, and all my fragile strength is gone. Set me free, leave me be. I don't want to find another moment into your gravity. Here I am and I stand so tall, just the way I'm supposed to be. You're on to me, all over me, yeah. I leave you on my knees as I try to make you see that you're everything I think I need here on the ground. But you're not a friend nor foe, though I can't seem to let you go. The one thing that I still know is that you're keeping me down. You're keeping me down. You're keeping me du moment. Les gens ont apprécié. Dominique Baker, Alexandra Chaillé. Wow! Wow! Ah, des vrais artistes, ça. Hein? Mon Dieu, on ne veut pas déranger plus que ça. On a chanté, on s'est livré. Est-ce que vous vous êtes fait prendre au jeu? Moi, je fermais les yeux en coulisses. Un élan d'espoir. Ça fait du bien. Hein? C'était vraiment agréable. Bravo. Un beau talent. On poursuit avec un autre duo. Je ne sais pas s'ils ont besoin de présentation, ces deux personnes. Si je vous dis qu'ils ont remporté la finale de Révolution, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah oui! Déjà quand même, il y a des gens qui reconnaissent de qui on parle. Janie Richard, Marcio Polino, une ballerine québécoise qui avait une grande, grande carrière dans le domaine de la danse. Ça se poursuit encore. Marcio, quant à lui, c'est un Brésilien d'origine, mais qui vit maintenant au Québec depuis 10 ans. Il forme l'un des duos de danse les plus envoûtants de leur génération. On a le bonheur de les avoir avec nous ce soir dans un numéro de danse classique. Encore une fois, laissez-vous aller apprécier le moment. Sans plus tarder, Janie et Marcio.
Janie et Marcio, gagnants de la deuxième saison de l'émission Révolution. Bravo, bravo. Et on comprend pourquoi, hein? Il y a tellement de pratique, d'intensité dans ce genre de numéro. Bravo, j'admire ça, c'était très bon. Êtes-vous prêts pour notre dernier numéro? Ça va vite. On parlait de Marcio, qui était originaire du Brésil, Québécois d'adoption depuis quelques années. Il est arrivé en 2011 au Québec, notre prochain invité, notre prochain participant. Il provient d'Haïti, Port-au-Prince. Il travaille, entre autres, avec la musique rap. Si on a commencé avec la batterie notre soirée, eh bien on va la terminer avec le rap. Il s'inspire beaucoup du R&B, du zouk, de l'afrobeat, du reggae, dancehall et j'en passe. Vous allez voir plein de styles, peut-être reconnaître certaines notes dans les mélodies que vous allez entendre. C'est un style très, très coloré, je vous dirais. Alors, soyez prêts, ouvrez grand vos oreilles, profitez de ce moment avant les deux frères aussi qui s'en viennent pour poursuivre la soirée. Veuillez accueillir Jerry, Mr. J. Yeah, yeah, yeah. Ça passe, tout le monde dit à bouler. En d'en parler, ma tout n'est qu'à couler. Président a brûlé, peuple a même à brûler. Quand on a voté, mon yo a crié. Les moins dit ça passe, tout le monde dit à bouler. En d'en parler, ma tout n'est qu'à couler. Président a brûlé, peuple a même à brûler. Quand on a voté, mon yo a crié. Yeah! Non, paye, c'est la misère. Non, paye, chaque jour, c'est guerre. Haïti, dim sa ou fè. Ou gen soleil, petit tout nan fè noue. Ouh, ouh, yeah. Petit tout nan fè noue. Ouh, ouh, yeah. Le mwen di sa passe, tout moun di a boule. Se, an dan pale, mwen tout nek a koule. Président a boule, peuple a même a boule. Quand ou nan voti moun yo a crié. Le mwen di sa passe, tout moun di a boule. En d'en parler, moi tout n'est qu'à couler. Président a brûlé, peuple a même a brûlé. Quand on a bâti, mon yo a crié. Pour venger moi, rêve la jeunesse, a peur boulé, pas qu'un l'espoir. Pour venger moi, rêve la jeunesse, a peur boulé, pas qu'un l'espoir pour demain. Nous tous voulons quitter, pays a pour n'aller. Nous tous voulons quitter. Haïti pour n'aller. Tout le monde a boule. En d'en parler, moi tout n'est qu'à couler. Président a boule, peuple a même a boule. Quand on a voté, mon yo a crié. Les moins dit ça passe. Tout le monde a boule. En d'en parler, moi tout n'est qu'à couler. Président a boule, peuple a même a boule. Quand on a voté, mon yo a crié. Président, moi bon pouvoir. Pour mener nous à l'éo. Président, moi, bon pouvoir. Pour mener nous à l'éo. N'aime plus réponse, faut pas la moins. Parler à moi. N'aime plus cause, faut pas la moins. Yeah. Ça passe, on dit à bouler. En d'en parler, moi, tout n'est qu'à couler. Président a brûlé, peuple a même à bouler. Quand vous n'avez pas dit, mon yo a crié. Les moins dit ça passe. Tout le monde dit à bouler. En d'en parler, moi tout n'est qu'à couler. Président a boule, peuple a même à bouler. Quand vous n'avez pas dit, mon yo a crié. C'est. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo, oh oh oh. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo, oh oh oh. Merci Québec en scène. Ouh oh ouh oh ouh oh oh oh. C'est, je vais prendre la main comme ça ce soir. Ouh oh oh ouh oh oh oh. Yeah. Ouh oh oh ouh oh oh oh. Ouh oh oh oh. Merci Québec en scène. Jerry Mr. J, merci. Ouh oh oh.
Ah oui, ça donne le goût de continuer. Êtes-vous dans l'ambiance? Oui! Ah, merci beaucoup, Nap Boulay, ou si vous préférez, Jerry, Mr. J. C'est ce qui concluait le segment avec nos participants, nos 11 nommés 2020. Une bonne main d'applaudissements pour tout le monde! Ouais, bravo, il y a du talent. C'est plaisant de le reconnaître avec un mouvement comme Québec en scène. On avait un président d'honneur ce soir. Il ne peut pas être avec nous, mais il nous a préparé une petite vidéo. C'est pour ça que vous voyez l'écran des Andres à l'instant. Il tenait à faire part de son appréciation du talent régional, du talent de Québec. Mesdames et messieurs, pour nous ce soir, notre président d'honneur, il s'agit nul autre que du maire de la ville de Québec, M. Régis Labeaume. Hey, bonsoir tout le monde. Alors, peu importe votre âge ou votre discipline artistique, vous nous avez fait l'honneur de nous partager votre talent et surtout votre grand génie créatif. Bon, je ne peux pas être là ce soir, je m'en excuse, mais je tenais à vous exprimer toute mon admiration. Et je remercie toute l'équipe de Québec en scène et son PDG, William Plamondon, d'avoir propulsé le mouvement « Propage ton talent ». Ce mouvement-là, c'est un message collectif envoyé à nos créateurs et créatrices afin de leur démontrer tout notre soutien en cette période bien particulière où il y a tant de chamboulements. Alors, à tous les artistes qui ont été éprouvés par le confinement, je vous rappelle, nous sommes là pour vous. Nous sommes enthousiastes à l'idée de découvrir vos plus récentes œuvres. Et si Québec est une ville si inspirante sur le plan culturel, c'est en partie grâce à ses nombreux artistes, dont plusieurs sont présents ou présentes dans la salle ce soir. Alors, chaque jour, vous faites briller et rayonner notre accent local, l'accent d'Amérique, et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Alors, je vous souhaite un excellent gala Québec en scène. Bonne fin de soirée, particulièrement avec le groupe Deux Frères. Salut! Notre président d'honneur 2020, M. Régis Labeaume, merci beaucoup. Le président directeur général de Québec en scène, je vais l'inviter à se joindre à moi parce que je trouve que c'est important de connaître la petite histoire. Qu'est-ce qui se cache derrière ce fameux spectacle, ce fameux mouvement? Pourquoi on veut mettre en valeur nos artistes? Et j'ai nommé M. William Plamondon qui vient me rejoindre à l'instant. Bonsoir! Bonsoir! William a une histoire bien particulière qui lui a donné, entre autres, le goût, l'idée de concevoir, de bâtir Québec en scène. William, peut-être raconter aux gens comment la musique a sauvé ta vie. Oui, bien, en fait, c'est une longue histoire, mais pour faire assez court, moi, j'ai eu une adolescence assez particulière entre les 7 écoles secondaires, un an de centre jeunesse. Ça a été plus difficile, puis c'est dans une chambre au centre jeunesse que je suis devenu un artiste. J'ai jamais eu nécessairement l'ambition ou le talent de vouloir en faire une carrière, mais moi, ça me permettait de défouler un petit peu ce que j'avais à l'intérieur, le faire sortir, puis c'est pour ça que ça fait du sens. C'est de là, en fait, mon implication dans Québec en scène, puis c'est pour ça que c'est important pour nous d'aider les artistes à s'aider soi-même, mais aussi à aider les autres. Vous m'avez vu bouger, parce que là, je vois les gens qui s'installent, mais il y a aussi le fait qu'on veut conserver notre distanciation sociale. Hein? Puis là, il y a eu beaucoup de spectacles qui ont été annulés pour cette raison. Tantôt, on présentait Marcio et Janie. Vous savez, toute la tournée Révolution a dû être annulée, entre autres pour ça, là, mettre une quinzaine de danseurs sur scène. On pense aussi à des musiciens, on pense à de la technique, des gens. C'est pas évident. La COVID-19 a eu des impacts dans le milieu artistique. Peut-être nous en parler un peu plus, William. Oui, bien, en fait, je pense que c'est pas un secret pour personne. Nombreux sont les spectacles qui ont été annulés, les salles de spectacle qui ont fermé pendant des moments, les festivals qui ont été annulés. Puis c'est très dur. C'est très, très dur pour les artistes. Puis par rapport à ça, pour Québec en scène, c'était important de se tenir debout puis de quand même être là pour les artistes, d'avoir une scène qui était disponible, même en isolement, même pendant la quarantaine. Puis d'ailleurs, merci pour les applaudissements, mais je pense que c'est vous qui devriez être applaudis parce que je remercie le courage de tous les gens qui se sont présentés dans la salle ce soir. Je veux aussi remercier les gens à la maison parce que c'est important pour les artistes. Les artistes, ils carburent à votre énergie, à vos applaudissements. Puis c'est important
C'est vraiment important pour Québec en scène, puis merci tout le monde. Puis des gens motivants là, comme William, là, ça fait du bien aussi. Très beau message. Nos artistes ont besoin de visibilité, ont besoin de revenus. Québec en scène, qu'est-ce que vous faites concrètement pour leur venir en aide? Bien, en fait, on a commencé par lancer la plateforme de diffusion Québec en scène, qui est vraiment accessible pour tous les artistes du Québec, qui leur garantit une visibilité. On a plusieurs événements par année comme ce soir, puis on a aussi un lancement là, d'un nouveau projet d'ailleurs qu'on va parler dès maintenant. Oui. On veut le savoir parce qu'on vous avait annoncé en début de soirée qu'à la mi-temps, on ferait en primeur une annonce. Alors, c'est quoi? Donc, en fait, là, ce soir, c'est le lancement officiel du projet Book-moi. Book-moi, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est disponible dès maintenant sur québecenscène.com et ça permet à tous les artistes du Québec, gratuitement, d'avoir une plateforme pour diffuser leur contenu, mais aussi pour être capable d'aller chercher des revenus, des contrats artistiques rémunérés 365 jours par année pour des événements réels et même des événements virtuels. Donc, on est très fiers de lancer ça dès ce soir pour tout le monde. Book-moi, BOOK.moi. Alors, les 11 nommés ce soir repartent. Oui, en fait, on est aussi très fiers de vous annoncer que les 11 nommés que vous avez vus performer ce soir vont tous gagner en exclusivité un forfait premium pour le Book-moi. Ça, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend vraiment une visibilité exceptionnelle sur notre plateforme. Aussi, ce qu'on va faire, c'est une campagne publicitaire individuelle pour chacun des artistes pour vraiment mettre tous les efforts en commun pour être capable d'aller leur chercher des contrats, pour leur permettre d'aller gagner leur vie. Donc, on est très contents de donner ça à tous les artistes qui ont performé ce soir. Ça, c'est ce qui concerne Book-moi, une belle nouveauté, une belle plateforme. C'est super. Il y a d'autres prix aussi qu'on ne peut pas passer sous silence. Oui, absolument. Donc, on a des prix coup de cœur ce soir qui sont remis par nos précieux partenaires qu'on va prendre le temps de remercier, évidemment. Je vais devoir lire mes cartons pour l'occasion. Donc, le premier prix coup de cœur, c'est un abonnement d'un an à l'Ampli de Québec qui comprend 3 heures d'enregistrement, 20 rencontres d'accompagnement et conseils, un accès à une scène d'essai et une formation. Et ce prix-là est remis ce soir à Marisson. On peut l'applaudir, tout le monde. Ensuite, on a un deuxième prix coup de cœur qui est un stage sur un plateau de tournage de Alias Films qui est remis à Rebecca Bucci. On poursuit avec une possibilité de contrat avec un label, les productions Véronique Labbé, qui inclut du coaching, l'enregistrement et la production complète d'un EP et un contrat de distribution numérique avec Select. Et ce prix-là est remis à Kat Dion. Bravo! Et je termine avec le dernier prix coup de cœur de la soirée. Donc, on parle de 15 séances de cours de danse avec Vanessa Grégoire qui est remis à Rosalie Lessard. Donc, vous comprendrez qu'on ne peut pas faire monter tout le monde sur scène pour des mesures sanitaires, mais chacun des artistes là, va se faire remettre les prix. C'est sûr que les gens sont contents en coulisses. On parlait de partenaires sans qui cette soirée ne pourrait pas avoir lieu, ne pourrait pas être réalisée. Qui sont-ils? Donc, pour remercier les partenaires, je veux remercier Desjardins, la Sodec, l'Impérial Belle, Marc Vien Avocat, Yankee Media, l'Ampli de Québec, les productions Véronique Labbé, Soirée de fou, Vanessa Dablia, L'Hôtel Pur, Aura Marketing, W Marketing, Bambou et Satire Productions. Merci tout le monde. Ça n'en prend des gens. Puis je poursuis en fait pour remercier aussi là, des individus parce que ça prend des humains pour travailler. C'est un beau travail d'équipe. Je veux remercier ma famille. Il y en a plusieurs qui sont présents. Je veux remercier aussi notre solide conseil d'administration, Marc-Étienne Vien, Sandra Rousseau, Jeff Doucet, François Lebel. Merci. Je veux remercier toute l'équipe technique. L'équipe de direction artistique, Nina, Paul, Nicolas, merci beaucoup. L'équipe de relève en force, Finola, Nicolas, Michael. Merci à Carl Méthode aussi, donc merci tout le monde. Il manque aussi Ludovic, évidemment, le maire Labombe, notre président d'honneur, nos porte-parole, les deux frères. Ils s'en viennent dans pas long, gardez un petit 10 secondes de patience encore. Je veux remercier le public, comme je l'ai déjà fait, puis surtout, tout le monde ensemble, toutes les nommées qui ont participé ce soir, je pense qu'ils le méritent. Bravo! Parce que l'humain, ça nous a tellement manqué le printemps dernier pendant le confinement. C'est là qu'on se rend compte que
que sans les humains, sans une belle gang, sans un public, on ne pourrait pas vivre autant de belles émotions. Alors, ça valait vraiment la peine de prendre le temps de les remercier. Absolument. Puis je voudrais qu'on prenne aussi un moment pour remercier notre animatrice, Taïna, qui est avec nous ce soir. Ça m'a fait plaisir. Honnêtement, c'était une magnifique soirée, des belles découvertes. Puis c'est pas fini. C'est pas fini. Non. Il y a Eric, Sonny, vous les connaissez, hein, les deux frères. On leur laisse la scène? On est prêt, William? Je vous dirais un bon 45 minutes. Ça, c'est s'ils ne sont pas plus généreux. On va se retrouver dans quelques minutes pour le mot de la fin, mais d'ici là, prenez un verre, savourez le moment à la maison, profitez-en pleinement. On est avec vous de tout cœur, même si vous êtes un petit peu plus loin, si vous êtes à distance. C'est vraiment important pour nous de vous savoir connecter. Merci d'être avec nous via les réseaux sociaux. On apprécie. Mesdames et messieurs, bonne fin de soirée. Place aux deux frères. Aimerais-tu pareil si j'étais jaune ou gris? Si par un soir d'été je t'oubliais sous la pluie? Si par mes gardes j'oubliais ton anniversaire? Ou que j'oubliais de réchauffer ton hiver? M'aimerais-tu pareil si j'étais plus jaloux? Si quand tu sors toute seule, moi je devenais marabout? Puis quand je regarde les autres femmes avec toi, tu t'inquiètes? Parce que je t'ai promis que t'aurais jamais fait. Plus petit, si à cause de ma job, j'étais toujours parti. Puis si pour un soir, par maladresse, je te faisais l'amour avec moins de tendresse. M'aimerais-tu pareil si j'avais pas une scène? Si quand je décide de vivre, que toi ça te fait de la peine. Puis quand j'écoute tes larmes couler sans dire un mot, par peur de trop en dire, peut-être même d'en faire trop. Deviendrai trop vieux, moins jeune mais plus sage. Quand au lieu de t'aider, moi je te ferai manquer d'air. Parce que ma jeunesse aura pris de l'arrière. M'aimeras-tu pareil quand j'aurai mal partout? Quand je me plaindrai sans cesse, quand je me plaindrai de tout. Quand j'aurai le mal de la vie, que peine à continuer. Mais moi c'est dans tes bras que je voudrais capituler. Pareil, quand je crucerai mon seul âge. Et quand sur mon lit de mort, avant de tourner la page, je te tiendrai la main pour terminer ma vie. Dans le plus bel enfer, dans la plus belle nuit. M'aimeras-tu pareil quand je te dirai je t'aime? Pour la dernière fois, jusqu'à la dernière peine. Dans le plus long des silences, je te le dirai encore. Qu'est-ce qui m'en empêchera? Pourquoi j'aurais tort? M'aimeras-tu pareil quand je serai parti?
je laisserai tes larmes couler sans mépris. Quand je tomberai de vieillesse, quand je perdrai mes idées, ben y'a qu'une seule chose que je pourrai jamais oublier. C'est que je t'aimerai pareil. Merci, bonsoir. Bonsoir Québec. Bonsoir l'Impérial. Salut à la maison aussi, je sais que vous nous regardez en direct sur le web aussi. Ben content d'être là, ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas mis les pieds sur la scène de l'Impérial et ça fait du bien. Quelle belle salle, my God! Êtes-vous content d'être ici, la gang, ce soir? Merci d'être là, vous êtes nombreux quand même, c'est beau de voir ça. On n'est plus habitués quand même de faire des spectacles dans les salles. Ça fait longtemps, disons, Puis d'ailleurs, mais merci à Québec en scène de nous avoir offert cette opportunité-là. Ça nous fait vraiment plaisir d'être là et de constater tout le talent qu'il y avait sur scène ce soir. Bravo, je veux commencer par dire bravo à tous ceux qui sont passés sur scène ce soir. On a regardé ça de la salle, on a passé un agréable moment. Je suis certain que vous autres aussi. Donc, bravo. Donc, c'est ça, en ces temps, on sait que les occasions de se présenter sur scène se font quand même rares. Donc, j'imagine que vous êtes contents. C'est-tu vous autres en haut? C'est les gens au balcon? C'est vous les qui étaient ici tantôt? Là. On a changé de place, là. Yes! On les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Donc, c'est ça, on est ici avec vous pour la prochaine heure. On va vous jouer des chansons de nos trois albums. Et on va aussi vous faire des demandes spéciales tantôt. C'est vous autres qui allez prendre, pendant un petit moment du spectacle, vous allez prendre le contrôle. On va se rappeler le temps de quand on jouait dans les bars. Donc, on va avoir bien du plaisir. Merci encore. Salut encore au monde à la maison. Puis on se continue ça avec une chanson qui s'appelle « Faut que j'y aille ». Y'a quelque chose à l'horizon, comme une autre saison. Ce genre de choses qui nous apporte la paix dans notre maison. On sort le manège, on repart à la pêche, le cœur dans tous les sens. J'ai pas le choix, faut que j'y aille. On m'attend là-bas avant que l'ennui s'installe. Faut que j'y aille, même si j'aime pas trop le vent des rafales. Faut que j'y aille, non je reculerai pas. Moi je nous vois en finale. Bon, faut que j'y aille, on m'attend là-bas chaud sur les rails. À l'horizon, je sais pas trop pour quelle raison. Une voix me parle tout bas, fredonnait cette chanson. On sort le manège, retour à la pêche, le cœur dans tous les sens. J'ai pas le choix, faut que j'y aille. On m'attend là-bas avant que l'ennui s'installe. Faut que j'y aille, même si j'aime pas trop le vent des rafales. Faut que j'y aille, non je reculerai pas. Moi je nous vois en finale. Bon, faut que j'y aille, on m'attend là-bas chaud sur les rails. Je vois de la lumière, toute la vie sur terre, les milliards d'étoiles, les secrets de l'univers, je sais quoi en faire jusqu'à la prochaine escale. J'ai pas le choix, faut que j'y aille. On m'attend là-bas avant que l'ennui s'installe. Faut que j'y aille, même si j'aime pas trop le vent des rafales. Faut que j'y aille, non je reculerai pas. Moi je nous vois en finale. Bon, faut que j'y aille, on
matin, la bouche haute sur les rails. Ta lueur, j'avais les yeux fermés, le soleil est entré. Qu'est-ce que tu dirais que toi et moi, on se voyait plus qu'une autre fois? Je t'emmènerais pas à la maison, profiter un peu des saisons. On n'est pas vieux, nous deux, on pourrait changer quelque chose à tout ce qui rend malheureux, que le monde se sente un petit peu mieux. Ah. Frère, c'est un bon chum. Ça fait que pour t'inviter, ben j'ai toujours hésité. Là, on se revoit au chalet, assis autour du feu. Puis comme si rien n'était, on se retrouve tous les deux. Qu'est-ce que tu dirais que toi et moi, on se prenait encore dans nos bras? Je connais déjà parents, tu vis du beau monde jusqu'en dedans. On n'est pas vieux, mais à nous deux, on pourrait changer quelque chose à tout ce qui rend malheureux, que le monde se sent un petit peu mieux. Plus besoin de se mentir, je pensais tout le temps à toi. Ah. Je le voyais dans tes yeux qu'on se partageait ça. Dans ma tête, je me disais que ça arriverait pas. Mais on est là à se donner plus que des becs sur les joues. Mais qu'est-ce que tu dirais? Toi et moi, on s'aimait plus à chaque fois. Je nous verrais bien à l'horizon. Je t'en écrirais plein d'autres chansons. On n'est pas vieux, mais à nous deux, on pourrait changer quelque chose à tout ce qui rend malheureux. Et on se trouvera un petit coin pour nous deux. Ah, 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 magasin disque, à quelque part, à deux pas du Mile End,
vendais des vieux vinyles usés dans une boutique. T'avais 17 ans, puis la vie c'était loin d'être Disneyland. Mais quand la cloche retentit au-dessus de la porte, t'as tout de suite su que c'était l'amour qui rentrait. La neige fondait deux fois plus vite en dessous de ses bottes, puis le soleil la suivait entre les volets. Presque arrêté de respirer, t'as pris un vieux record des clashs qui a dit: penses-tu que tu peux me trouver? Le tout premier de Johnny Cash te dit: ben, je peux bien essayer. De carte passée dans une semaine, en priant pour qu'elle aille pas regarder. Dans le bac où il y en avait une dizaine. Dam da dam, dam da dam dam, dam da dam dam, dam da dam dam. Quand t'es finalement venu une semaine plus tard, t'avais caché le disque qu'elle cherchait derrière sur Elvis. T'avais la phrase parfaite pour l'inviter un soir. Il fallait seulement que t'attendes le moment propice. Elle s'est approchée du comptoir en y mettant sa main à frôler la tienne. Elle dit: pas de place de ce que je vais avoir. Béguille peut-être dans une semaine. Dam da dam, dam da da dam dam, da dam 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 dam, dam da da dam dam. Le jeudi suivant, t'avais pas dormi de la nuit. Tellement t'étais nerveux d'y dire. Tu concentres quelque part. T'avais choisi d'y offrir le vieux record de Johnny, en souhaitant juste que ça mettrait les chances de ton bord. T'as même pas eu le temps de l'inviter. A pris le disque et puis à te lancer. Depuis le temps que je rêve de l'entendre, viens-tu l'écouter? Dans ma chambre, tu as souri malgré ta gêne. Tu l'as suivi jusque chez elle. Johnny chantait I Want the Line et ta main glissait sur ses dentelles. Puis c'est là que tu l'as remarqué, sa tablette en plexiglas, son autre exemplaire usagé. C'est à vous autres. Dam da dam, dam da da dam dam, da dam 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 dam, dam da da dam dam, dam da dam dam da da dam dam, da dam 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 dam, dam da da dam dam, dam dam. Merci. Tu sais, je vous ai parlé de. J'ai parlé de demande spéciale tantôt. On avait envie de faire ça ce soir parce que avant de sortir notre premier album en 2015, pour être plus précis, en 2010 et 2016, début 2016, on s'est promené dans les bars un peu partout en province pour faire de la musique, finalement, pour gagner notre vie en tant que chansonnier. Et on faisait surtout on faisait exclusivement des covers, des chansons des autres. Et évidemment, il y avait les demandes spéciales. Et j'ai envie de vous faire participer un peu. Là. Je veux que vous... on va guesser. Je suis sûr que vous êtes capable de trouver la chanson qu'on se faisait le plus demander dans le temps des bars. Allez-y, c'est à vous autres que je parle. Juste une toune de même. Je suis sûr qu'on est capable de la trouver. Tu sais, une toune populaire, chansonnier. Non, pas une toune de nous autres. Ça n'existait pas encore! Le vieux dans le bas du fleuve, exactement. Bravo, merci, monsieur. Bravo. Vous venez de sauver la soirée. Puis, on l'a fait, le vieux dans le bas du fleuve, mais genre au moins 150 millions de fois. Ah, minimum. Puis, on va en faire une fois de plus ce soir. Mais on va la faire différemment. On va la faire dans notre version à nous autres. Fait que, ouais, vous êtes un peu tanné de l'original, fait qu'on l'a modifié un peu. Fait que voici le vieux dans le bas du fleuve, dans notre version. On l'a changé un peu. Shimmering lights, my hair grew heavy.
Then she lit up a candle. Said she showed me the way. There were voices down the corridor that I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Merci. Toujours aimé beaucoup faire des demandes spéciales, comme le vieux dans le bas du fleuve, entre autres. Et, non, mais d'ailleurs, je vous ai dit tantôt que quand vous donnez le contrôle de la soirée, c'est pas maintenant, mais c'est dans pas long.
C'est pour ça que je vous le dis tout de suite, parce qu'il faut que vous commenciez à penser aux chansons que vous allez demander, parce que c'est vraiment vrai. Si vous ne demandez rien, le spectacle va prendre fin de façon abrupte et malaisante. Vous ne voulez pas ça, on ne veut pas ça, le monde à la maison ne veut pas ça. Fait que, ça peut être juste un artiste aussi. Puis on va essayer. Nous autres, on aime ça. Des fois, on se casse la gueule, mais on l'assume, puis c'est correct. Donc, c'est ça. On va vous faire encore deux chansons. Après ça, c'est à vous autres. On ne fait que sereinement vivre les hauts et les bas. Ne crois qu'en unique loi, voulant que ce que l'on attire est parfait pour soi. Et si la nuit tombe, le vent tourne au bruit de ton cœur. N'empêchera pas de rire aux éclats. On cherche pas le bonheur, c'est parce qu'on s'est dit tout le temps qu'on y est déjà. Et si la nuit tombe, le vent tourne au dire de ton cœur qui bat. Peu importe l'arrivée, peu importe le chemin à suivre, la vie. Ça me donne le courage d'avancer. Pour
ce qui me tient à cœur, moi je vais bûcher. Son grand-père avait choisi de prendre la ville, puis d'y faire son nid, troquer le grand air pour aller gagner plus qu'avant. Un héritage, un lendemain pour ses enfants. Quand il est venu le tour de Léo, a dû choisir sa job de bureau. Ben, il est pas surpris, grand monde est dans sa lignée. Quand il est lancé, moi c'est dans le bois que je vais bûcher. Léo gagne et tire, puis tu verras vite tout autour. Toi, c'est pour le soleil que tu cours. Léo gagne et d'avancer. Pour ce qui me tient à cœur, moi je vais au bûcher. Ah, 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 qui tient à cœur, il faut bûcher. Il y a des jeunes, là, gars. Ouais, puis il y a une louche à censurer un peu, là. À dire porte au lieu de... Non, non, mais mettons, il y a quelque chose de propre, là. Allez-y, là, vous êtes capables. Comment? Claude Dubois. Ciboire, on a dit propre. Non, non. Non, non, c'est pas si... Hein, Claude Dubois, mon Dieu, qu'est-ce qu'on doit... C'est tough, hein, Claude Dubois? Attends un peu, attends un peu, attends un peu. Hey, mon Dieu, on, a, hey, on est vraiment pourris. Personne, il n'y a plus personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent, me laissent inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. En prenant son envol, je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut, je serai jamais capable de faire le refrain. Le cœur de mon esprit, nos visages à l'envers. Tout petit, tout petit. Avec nous autres, là, ça. Comme un fou, comme un ange.
personne. Regarde, j'ai fait un peu mon chanteur lâche, là. J'ai fait chanter à foule dans le bout de toffe. Non, le vieux a le bout du pleuvoir, on va en faire. On va en faire pour vrai. Aye. Essayez d'y aller pas tout en même temps. Mettons la main levée. Kenny Rogers. Embarque ma belle. Sérieux? Qui a dit ça? Ben. J'adore Kenny. Tellement d'autres. Comment respirer? Comment je devrais agir? J'ai envie de retrouver ce que j'étais, tout ce que je voulais devenir. Retrouver la saine paix en moi. Juste une bonne fois pour de vrai. Ouais, embarque ma belle, je t'emmène n'importe où. On va bûcher du avec Lilou, ouais. Je veux jamais t'entendre dire jamais. Ma vieille box m'appelle, viens faire un tour. On va faire des fous, on va faire l'amour. Puis je te jure qu'on va vivre vieux. Yeah.
Mais quand on fait Paul? Non, mais... As-tu une suggestion de Paul Piché? L'escalier ciboire, t'as peu, là. Pardon? Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché toutes mes poches pour comprendre qu'est-ce qui manquait. C'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps. Puis tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement parce que sans raison, j'allais remonter parce que sans raison, j'allais devant. J'étais tout à l'envers parce que ce qui manquait c'était par en dedans. Je me sentais seul comme une rivière abandonnée par des enfants. Et puis le temps prenait son temps, prenait le mien sur son chemin, sans arrêter, sans arrêter, sans oublier de m'essouffler. Y'a pas longtemps j'étais petit, me voilà jeune et plus trop grand, assis pour voir que l'on vieillit, même en amour, même au printemps. Alors voilà, je me décris dans une drôle de position, les yeux pochés. Et le bedon, la pierre, soit pas la solution. J'aimerais plutôt que cette chanson, puisque c'est de ma vie qu'il est question, finisse un soir dans mon maison sur un bel air d'accordéon. Puis les enfants, c'est pas vraiment, vraiment méchant. Ça peut mal faire de temps en temps. Ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut voler. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. Mais une belle fin, cette chanson m'impose de dire ce que j'aurais dit si j'avais pas changé d'avis sur le pourquoi de mes envies. Ben oui, j'allais pour me sauver, vous dire comment faut être indépendant pour tout le monde. Nanana, pour sauver le monde et ses problèmes, qu'il fallait surtout pas pleurer. Qu'à l'autre chanson, je m'étais trompé comme si la empêcher de donner mon temps aux pauvres gens. Mais les héros, c'est pas gratis, ça trompe jamais, c'est indépendant. La gloire paye pour le sacrifice, le souvent soulage leur tourment. C'est pas mal ça. Ouais, ben, j'ai jamais chanté ça de ma vie, je l'écoute souvent, mais il est jamais fait. Ça a quand même bien allé. Impossible. OK, une dernière, mettons, avant de poursuivre le spectacle. La guitare de Jérémy. Jérémy, ouais, ça me tente au bout. Bonne idée. Quelle toune, ça? C'est quoi? C'est vrai? Que... de Jérémy. La trouver dans les débris d'une maison vide, à ce qu'on m'a dit le lendemain d'un terrible incendie. Prends la dent, dit le brocanteur, elle a sans doute une grande valeur, mais comme j'y connais rien, ben je te fais un prix. Il était sale, sentait la fumée, sur son dos on avait gravé: je suis la guitare de Jérémy. Elle jouait toute seule, je n'avais qu'à poser les doigts et les cordes rouillées prenaient vie. Elle jouait toute
jamais connu de Jérémy. Était-ce un homme, un pur esprit? Et sa guitare est devenue mon amie. Elle m'a suivi dans toutes mes chansons, dans les honky-tonk et les bars salons, et souvent jusqu'à très tard dans la nuit. Elle jouait toute seule, je n'avais qu'à poser les doigts, et les cordes chantaient toute ma vie. Elle jouait toute seule d'une musique faite pour moi, jouait la guitare de Jérémy. Oui, jouait la guitare de Jérémy. Une nuit dans un bar fameux, pour ses bagarres, ses têtes de jeu, une femme étrange est entrée dans ma vie. Elle a pris mon cœur et ma montre en or avec mon auto. Elle a pris le nord et bien sûr la guitare de Jérémy. Comme si la musique s'arrêtait, comme si le soleil s'éteignait. J'ai pris la route sans savoir où j'allais. Je n'ai plus jamais joué de ma vie, mais je rêve souvent qu'une voix me dit: prends ma guitare, je m'appelle Jérémy. Elle jouait toute seule, je n'avais qu'à poser les doigts, et les cordes rouillées prenaient vie. Elle jouait toute seule de Jérémy. Oui, jouer la guitare de Jérémy. Bon, de retour à la programmation principale. Et on poursuit d'ailleurs avec une partie du spectacle, la partie du spectacle qu'on appelle communément le rappel. Non, hey, riez pas, c'est vrai. C'est vrai en plus. Non. Notre spectacle en duo, on le voulait vraiment vrai. On voulait de quoi de simple, de quoi de vrai finalement. Il n'y a rien de séquence, il n'y a rien d'enregistré. Tout ce que vous entendez, ça sort de nous autres. Puis c'est important pour nous autres de faire ça. Puis, c'est important aussi d'avoir le show le plus vrai possible. C'est-à-dire on ne va pas se cacher à la fin pour faire semblant qu'on a fini. Puis après ça, on attend que vous nous acclamiez. Puis là, on gonfle notre ego bien plein. Puis après ça, on rentre sur scène. On a décidé de skipper cette étape-là. Fait que mais si vous voulez, par exemple, nous acclamer quand même, comme si... On va l'accepter. Ah! Québec, vous êtes spontané. J'aime ça. J'aime votre attitude. Fait que c'est ça. On a décidé de ne pas quitter la scène avant la fin du show. Et celle-là, on va se la faire ensemble. Vous avez le droit de chanter, je pense. En tout cas, je n'ai pas vu passer de mémo comme de quoi que vous n'aviez pas le droit de chanter. Fait que gâtez-vous. 3, 4... Important que l'amour qui nous rassemble, rien qui traverse le temps si bien que la vie ensemble. Les tristesses, les chagrins, on sait que ça passera. En famille, entre amis, depuis toujours c'est comme ça. À chaque fois qu'on le peut, nous autres on se prend dans nos bras. Saint-Jean, y'a un petit village où on en a vécu tant. Des feux dans le pit de sable et puis toutes les nièces du haut de s'y part. Quand on y repense, c'était vraiment pas plate.
sont arrivés si on s'entend, qu'on partage encore plus de beaux moments. Y'a rien de plus important que l'amour qui nous rassemble, rien qui traverse le temps si bien que la vie ensemble. Les tristesses, les chagrins, on sait que ça passera. En famille, entre amis, depuis toujours c'est comme ça. Chaque fois qu'on le peut, nous autres on se prend dans nos bras. Oh, oh, oh. Compris ça depuis longtemps que la vie ça se passe entre nous. Rien de plus important que l'amour qui nous rassemble, rien qui traverse le temps si bien que la vie ensemble. Les tristesses, les chagrins, on sait que ça passera. En famille, entre amis, depuis toujours c'est comme ça. À chaque fois qu'on le peut, nous autres on se prend dans nos bras. Avant de poursuivre, j'ai des remerciements, des petits remerciements, ce ne sera pas très long à faire. C'est bien important, par exemple, j'aimerais que vous faites du bruit pour notre ingénieur de son, M. Julien Doc Bouchard. Merci à toute l'équipe technique de la place qui sont d'une efficacité pas nommable. Merci beaucoup à tous les gens qui travaillent et qui ont rendu le spectacle possible. Merci, on les applaudit, s'il vous plaît. Merci à Québec en scène de permettre à tous ces artistes d'un talent incroyable-là de pouvoir se produire sur scène. C'est pas les occasions qui courent les rues de ce temps-là. Et avec cette initiative-là, qui en fait, ça existe depuis des années, mais en ce moment, je pense que c'est encore plus important de soutenir la culture et surtout la culture de demain. Donc, félicitations encore à tous ces beaux jeunes-là, ces beaux artistes-là qui ont offert un spectacle formidable. On les applaudit. Faites du bruit. Come on! Merci à vous autres. Vous avez été un public exceptionnel, je vais vous le dire. On vous a analysé tantôt derrière de la salle. Puis on s'est dit, ouais, réagissez aux bonnes places. Vous êtes bons. Non, mais pour vrai, merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec nous autres. Merci. On s'applaudit, s'il vous plaît. Merci aux gens qui nous ont regardés sur le web à la maison. On vous salue encore une fois. Et c'est ça. Il reste-tu des gens à remercier, Sonny? Vite de même, je t'ai pas écouté, fait que j'espère que tu es bon, à te remercier. Merci, je me sens très appuyé dans mon duo. Ça fait plaisir. Vas-y avec la prochaine d'abord. Je m'étais promis de me battre et de pas nous abandonner. Mais depuis quelque temps, j'en arrache et je me sens les bras tombés. Quand je rentre tout seul chez nous le soir, sans le réconfort de ma moitié, puis qu'il reste plus rien dans l'armoire que des miettes de cœur brisé. Je m'étais permis de croire que tout deviendrait comme dans nos belles années de gloire. Quand tout le monde nous enviait, je me nourrissais de t'entendre rire et t'aimer, je m'en abreuvais. Mais c'est un rêve qui veut plus me sourire, puis j'ai pas le goût de voir l'après. C'est une promesse qui me garde debout contre le vent, une bataille
chaque jour, de chaque instant, maudite promesse. J'ai bien que c'est elle qui t'a fait fuir, puis moi j'attends. Sans le meilleur et pour le pire, je m'étais promis de jeter l'ancre et t'attendre juste à côté de la rive qui se trempe sous les vagues de notre passé. Mais la marée donne pas de répit, oh non, pour m'éloigner peu à peu. C'est à croire que les années qu'elle s'emplit, nous aurons juste laissé plus vieux. C'est une promesse garde debout contre le vent, une bataille de chaque jour, de chaque instant, maudite promesse. J'ai bien que c'est elle qui t'a fait fuir, puis moi j'attends, sans le meilleur et pour le pire. Peut-être d'autres femmes pour qui je me fendrai le cœur. Non, je dois pas jeter toutes les armes. Mais si tu savais comme j'ai peur, c'est pas facile de lever l'ancre et de mettre le cap sous d'autres cieux. Mais comme vivre près de toi, c'est d'attendre, c'est ce que je peux faire de mieux. C'est une promesse qui me garde debout contre le vent. Une bataille de chaque jour, de chaque instant, maudite promesse. Je sais bien que c'est elle qui t'a fait fuir, puis moi j'attends. Sans le meilleur et pour le pire, c'est peine perdue. Et je vois que mon cœur lui s'emprisonne, mais on est-tu jamais deux fois la même personne. Éric, Sonny, les deux frères, merci! On ne pouvait pas mieux choisir comme porte-parole du mouvement Québec en scène. Vous êtes d'accord avec moi? Un répertoire tellement touchant, rempli d'émotions, ça fait du bien. En ces temps plus difficiles, on a apprécié chaque note, chaque mélodie, chaque parole. Merci. Merci beaucoup d'avoir été plaisir, avec nous ce soir. Les deux frères, ce n'est pas terminé. Il nous reste une belle chanson pour le savourer pleinement. Simplement pour vous dire, passez une belle fin de soirée et gardez ça dans votre cœur, dans votre tête, pour nous prouver à tout le monde, à la population, parlez-en dans votre famille, au bureau lundi matin, c'est possible. On peut y croire, on peut le faire encore en respectant les mesures sanitaires. On peut vivre encore des beaux moments culturels, se rassembler comme ça dans nos belles salles de Québec, c'est possible. Alors, que tout le monde fasse son effort et on va pouvoir continuer ensemble à vivre des belles soirées artistiques. Merci pour votre présence. Merci à la maison d'avoir été connecté avec nous. Québec en scène, on se retrouve l'an prochain. Et merci à tous nos partenaires, à tous les candidats aussi qui ont pris leur courage à deux mains, qui sont montés sur scène. Prenez soin de vous. Je pense que c'est une phrase vraiment importante dans ces temps plus difficiles. Alors, on espère se retrouver dans un contexte complètement différent l'an prochain, comme dans le bon vieux temps. Hein? Yeah. Alors, on se laisse avec les deux frères. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci! Il y a quelques mois de ça, avant que tout ça n'arrête, on était en train de ramasser des chansons pour le troisième album, À tous les vents. Puis on collabore avec plusieurs personnes au niveau de l'écriture des chansons, des gens qui sont là depuis le début, notamment Amélie Larocque, qui est une autrice, compositrice, interprète absolument formidable, qui nous a offert, entre autres, Léo Gagné et Road Trip. Mais aussi, donc un matin, je me réveille avec un courriel d'Amélie dans ma boîte. On se réveille avec un courriel d'Amé. Et
qui s'appelle Toon, tout simplement. Et là, on écoute ça, j'écoute ça dans mon lit. Je me rappelle, je venais juste de me réveiller, j'avais les yeux encore collés et j'ai été touché au plus haut point, plus que je ne l'avais jamais été par une chanson à la première écoute, je pense. Et je pense que c'est aussi du fait que ça traite de notre rôle de papa. Et ben voici, ça s'appelle « Grande personne ». Tu m'as dit encore une minute, pourtant l'aiguille a fait le tour du cadran, puis encore je t'attends. J'ai placé tous mes petits bonhommes, si tu peux bien finir ton téléphone. Je me suis déguisé en lion, j'arrête pas de rugir dans le salon, ça te rend impatient. Parce que toute ta journée dans le corps, faudrait que je m'amuse un peu moins fort. Moi, j'attends pas que tu sois là pour réussir mes premiers pas. Tire le bras, je te tourne autour. Viens donc dehors, jouer dans le cours. Papa, c'est pas quand ça t'adonne que je deviens une bien plus grande personne. Je vois des fantômes dans ma chambre, je t'appelle au secours pour me défendre. Tu arrives en héros. Y'a juste toi qui sais comment t'es le meilleur, mais dis-le pas à maman. J'ai tellement d'idées dans ma tête, j'ai besoin d'une oreille pour me raconter. Je parle trop, je sais. Mais quand tu m'écoutes juste à moitié, y'a peut-être quelque chose de grand que tu peux manquer. Moi j'attends pas que tu sois là pour réussir mes premiers pas. Je te tire le bras, je te tourne autour. Viens donc dehors, jouer dans le cours. Papa, c'est pas quand ça t'adonne que je deviens une bien plus grande personne. À tous les jours, je te rappelle ce que tu veux vraiment. Un toit sur la maison, de l'amour, pis ben du temps. Moi j'attends pas que tu sois là pour réussir mes premiers pas. Je te tire le bras, je te tourne autour. Viens donc dehors, jouer dans le cours. Papa, c'est pas quand ça t'adonne que je deviens une bien plus grande personne. Papa, c'est pas quand ça t'adonne que je deviens une bien plus grande personne. Merci beaucoup tout le monde. Merci encore. Bravo tout le monde encore en haut. Bravo. Merci à la maison. Bonne fin de soirée.
pretend that you are. You made it stay. Your voice is ringing just like the boys who left and me in school. You and I, my friend, I cannot pretend.